En Belgique, on dit une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Bonjour, c'est Mao et je suis artisan brasseur au Moulin de Saint-Martin. L'idée, elle est venue tout simplement de mes origines et d'une passion, puisque je suis belge. Personne n'est parfait, mais pour faire de la bière, c'est plutôt pas mal. C'est devenu une passion étant adolescente et mon métier, c'était, je voulais faire de la bière plus tard. La brasserie a démarré en décembre 2003, avec l'impulsion de ma passion, avec mon papa aussi qui habitait déjà à Saint-Martin-de-Bosnay. Et puis très vite, mon mari nous a rejoints dans l'aventure familiale de la brasserie du Moulin de Saint-Martin. Ce qui me rend le plus fier au niveau de mes produits, ce sont tous des produits refermentés en bouteille, de fermentation haute, on va dire d'inspiration belge, hein, d'où mes origines, qui se font sans arôme, sans colorant, vraiment pur malt. Et c'est ça ma plus grande fierté. Nous avons une boutique sur place à Saint-Martin-de-Bosnay et on a la possibilité, bien sûr, le plus souvent en groupe, de visiter la brasserie. On peut les goûter dans le cadre d'une visite, mais on a aussi une boutique, donc vous pouvez bien sûr repartir avec nos produits. Alors aux alentours, je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté de Nogent, puisque c'est une très belle ville. On est à peu près à 15 km de Nogent ici. Une ville qui regroupe pas mal de choses, puisque vous avez vraiment un beau centre-ville. Vous pouvez commencer votre balade sur la place de la Halle. Alors si vous avez la chance d'être un jour de marché le mercredi ou le samedi, c'est vraiment quelque chose de très joli à voir. Vous continuez votre balade le long de la Seine. Vous allez jusqu'au bateau Lavoir qui a été récemment restauré. Vous continuez votre petite balade. Vous pouvez aller côté culturel au musée Camille Claudel, qui est vraiment un musée super à visiter. Et si vous aimez vraiment la nature à l'état sauvage, à l'état brut, vous avez l'étang du Monteuil qui est juste à côté et qui permet, en famille ou non, de faire vraiment une balade assez originale et visiter la faune et la flore du coin.